Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans votre magasin Culture Loisir, mais également sur Drôme Ardèche TV, c'est votre émission Culturez-vous, avec aujourd'hui un invité exceptionnel. Il est bien sûr animateur, radio, télévision, il est également chanteur, compositeur et même écrivain. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir à Aubenas et sous vos applaudissements, Monsieur Julien Lepers. On dirait un boxeur qui arrive dans l'arène. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Oh là là, il y a du monde. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ça va les filles? Bon allez. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Oh là là. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Franck, je te salue. Bonjour tout le monde. Approchez-vous, vous êtes trop loin là. Approchez-vous là. Oui, oui. Bon, alors, est-ce qu'ils sont en pleine forme? Ils vont bien ou pas? Il faut leur demander, Julien. Comment allez-vous aujourd'hui à Aubenas? Écoute, moi, regarde, je ne savais pas qu'il faisait si chaud, si beau que ça. J'ai mis le par-dessus, 3 cache-cols et 2 foulards. Attends, vas-y, parle un peu le temps que je me déshabille et j'arrive tout de suite. Je me déshabille. Bon, évidemment, j'ai complètement oublié de vous annoncer, évidemment, 26 ans d'une émission télévision culte. Oui, c'est vrai. Question pour un champion. Voilà, chaque jour, donc, sur France 3. 18h, 18h05, c'est ça? 18h, oui, oui, c'est ça. 18h, 18h05 depuis 20... Combien t'as dit? 26 ans. On est dans notre 27e année maintenant. 27e année. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête beaucoup. Hein. Bon, voilà, bah, tout va bien. Hein. Bon, bah, en tout cas, Julien est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une actualité, de son actualité, bien évidemment. Un livre sorti aux éditions Michel Lafon. Un énorme pavé, 700 pages. Évidemment, les mauvaises manières, ça suffit. Donc, c'est... Ouais. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, Julien. Alors oui, les mauvaises manières, ça suffit bien sûr. Voilà. Alors, j'étais à Strasbourg hier. Oui. Franchement, vous me faites peur. Je voulais absolument venir. L'éditeur voulait pas que j'aille au Aubenas. Et puis il y a des tas de gens qui voulaient pas que j'y aille. Mais moi, j'ai insisté pour y aller. Voilà. Et donc, je suis là. J'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Bien sûr. Attends, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. C'est pas grave. Et donc, Aubenas, dis donc, la route est un peu... Enfin, je veux dire, ça tourne, hein, gauche, droite. Ça tourne, mais ça va. Donc, on est en pleine forme. Strasbourg-Hier, avant-hier à Nantes. À Angers. Et avant Angers, voilà. Voilà. Et puis avant, une mauvaise nouvelle me concernant, mais très mauvaise nouvelle. Je le dis quand même, puisque j'ai enterré mon papa lundi. Lundi dernier. Et donc, c'est une immense tristesse. Mais bon, bref, on passe à autre chose. Et alors, donc, on parle de ces mauvaises manières ici, à Aubenas. Donc, c'est né de quoi? C'est né de quoi? C'est la question que tu vas me poser. Évidemment. Pourquoi ce livre? Donc, je l'ai dit avant-hier en enregistrant Ruquier. Ah oui, Laurent Ruquier, ça passe ce soir. Ah, on n'est pas couché, donc ce soir. Et c'est né du fait que je suis excédé, que nous sommes tous d'ailleurs excédés par ces petites incivilités, ces petites agressions. Ces petites, tu vois, des agressions au quotidien qui vous pourrissent la vie. Les gens qui, par exemple, je viens de faire du train, je fais du train tous les jours en ce moment. Les gens qui mettent les pieds sur le fauteuil d'en face. Tu vois, ils ont marché dans n'importe quoi, ils mettent les pieds sur le fauteuil d'en face et après tu t'assois dessus. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal, bien évidemment. Bien sûr. Alors le parfum, pareil. Le type, bah les parfums, oui, bon. Alors le type qui met le portable, alors maintenant c'est les portables tout le temps, c'est les selfies, regarde tous les selfies qui sont là. Il y en a 50 là, selfies. Bon. Eh bien, les gens qui arrivent au restaurant et qui vous mettent le portable juste sur la nappe, tu sais, à côté de l'assiette. Ce qui signifie que ceux qui vont appeler ou qui pourraient appeler sont plus importants que la personne avec laquelle tu vas passer un bon moment au restaurant. Normal ou pas normal? Pas normal, bien évidemment. Normal. Et je te fais comme ça, donc c'est une espèce de révision des fondamentaux qui a déjà été faite, cette révision par Nadine de Rothschild il y a une trentaine d'années. Tu allais sans doute m'en parler. Oui, absolument. Oui. Nadine de Rothschild il y a 30 ans, mais simplement c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, tout ça, ça a un petit peu évolué, ça a changé. Et je consacre aussi une centaine de pages aux nouvelles technologies. Tablettes, ordinateurs, smartphones, et voilà. On remarque qu'il n'y a aucun tabou dans ce livre. parle de sexualité. Non, non, j'ai essayé de faire franc. C'est très bien, parce que j'avoue avoir eu très peur lorsque on m'a donné ce livre dans les mains pour préparer cette interview en me disant mais alors c'est Nadine de Rothschild version masculine, c'est on va parler de la haute bourgeoisie alors, et des principes. Et ben en fait, en finalité, j'ai trouvé cet ouvrage comme un, allez, c'est l'encyclopédie des bonnes manières, mais c'est en même temps un livre hyper utile. J'ai une fille qui va avoir 18 ans dans quelques jours, j'ai dit je vais lui offrir. Ouais, très bien. Parce qu'en fait, vous cherchez un emploi. Comment rédiger un CV, très important, évidemment. Curriculum vitae, il y a 5 millions, 6 millions, 7 millions de personnes qui sont concernées par les recherches d'emploi. Comment il faut faire pour essayer de décrocher un entretien d'embauche, pour essayer de rédiger vraiment un bon CV bien foutu, pas mentir, pas trop, mais tu vois exactement ce qu'il faut faire. Pour tous ceux qui cherchent un emploi, c'est très important ça. Ceux qui veulent faire des belles tables de Noël, alors justement, belles tables de Noël. Alors chez Ruquier, ils se foutent de moi parce que expliquez-nous comment on veut. Bon, parce qu'ils sont, alors là, ils sont pour casser, ils sont très rapides. Hein, et donc j'aurais dit écoutez, vous regardez dans le livre et puis voilà, tout simplement. Mais comment faire une belle table de Noël, comment on met les couteaux, les serviettes, les verres, bon voilà, les fleurs, Est-ce que tu savais que les fleurs, on offre en bouquet de fleurs quand tu vas chez le fleuriste, tu offres toujours un nombre impair de fleurs et pas pair. Pourquoi ? Et bien pourquoi? Parce que, et Ruquier le savait, parce qu'il l'a mis dans sa pièce, dans sa dernière pièce, une histoire de fleurs, il l'avait vu ça. Donc tu mets une fleur au milieu, le fleuriste met une fleur au milieu, et tout autour, on met d'une façon harmonieuse et symétrique, donc nombre pair, toutes les fleurs qui sont autour, donc ça fait un nombre impair à l'arrivée. Voilà. Bon, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais ça touche à tout finalement. C'est combien d'années d'écriture? 3 ans. 3 ans. 3 ans sans hésiter. Je suis pas tout seul. J'avais une belle équipe de chez Michel Lafon, bien sûr. Très belle équipe. Et je m'y suis mis depuis 3 ans et on revoit un peu nos fondamentaux, c'est exactement ça. Par exemple, la salade. Est-ce que tu coupes la salade ou tu la coupes pas, oui ou non? Alors, pour l'avoir vu, aujourd'hui, on la coupe. Eh bien, parce qu'on ne mange plus avec de l'argenterie aujourd'hui. Vous êtes complètement divisé. Parce que madame me dit, on ne la coupe pas. Plusieurs dames me disent, on ne la coupe pas. Toi, tu dis, on la coupe. Alors, faut savoir. Moi, je te dis. Eh bien, on peut la couper. Voilà. Maintenant, on la coupe. Pourquoi? Tu l'as vu? Évidemment. Parce qu'avant, on avait des couverts en argent et le contact avec le vinaigre faisait de l'oxydation. C'était pas très bon. Voilà. Maintenant, on a des couverts en inox, tu vois, pour la plupart. Ouais. Et donc, on peut couper sa salade sans aucun problème. Arrêtons de faire des origamis avec les feuilles de salade. Très bien. Vous proposez aux hommes d'uriner assis. Alors ça j'avoue que ça, c'est faux. Voilà, ça fait donc rire tout le monde. Et ça y est, ça commence et ça recommence. C'est finalement toute la promotion de ce bouquin aura été faite sur un truc qui doit faire 3 pages. Mais en même temps, alors qu'il fait 700 pages le livre. 700 pages. Bon. Moi je dis, alors je vais te répondre, mais c'est inouï parce que toute la promo, les émissions de télé, de radio, hier soir on fait des plombes sur les urinés, évidemment, mais il n'y a pas que ça dans ce bouquin, c'est ça qui est fou. Mais en même temps, c'est quand même remettre en question un fonctionnement qui est quoi? Qui est multimillénaire. Bah, bien sûr, les hommes ils pissent debout depuis toujours. Bon alors c'est très simple, alors je te fais court là-dessus parce qu'il n'y a pas que ça. Je te fais court là-dessus Franck, il n'y a pas que ça. Je dis... Bon alors... Oui, c'est vrai, Il y a des petits dispositifs carton pour les femmes qui peuvent uriner debout, tout à fait, c'est vrai. Bon, dis-moi alors, je te dis la chose suivante. Quelle est la cause numéro 1, la cause principale de conflit dans un couple? Jeune, pas jeune, moins jeune. La cause principale de conflit dans la lunette des toilettes. C'est les toilettes. Oui. Pourquoi? Parce que il fait debout, il y en a à droite, à gauche, devant, derrière. Donc la personne qui arrive derrière, tu vas toujours obligé de nettoyer. Une fois, 50 fois, 150 fois, au bout de la 200e fois, ça commence à gueuler. C'est vrai. Et donc, moi je dis que effectivement, c'est peut-être plus pratique que les hommes fassent ça assis. Ce qu'ils font d'ailleurs actuellement, tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont tous sur les ordinateurs, les tablettes et les portables. Donc ils recommencent à s'asseoir. Donc les toilettes recommencent à être propres. Mais voilà, bon, voilà ce que je dis. Et puis je dis aussi qu'il faut abaisser la lunette, l'abattant. Pourquoi? Parce que quand tu tires la chasse, il y a des petits, comment on appelle ça, voilà, c'est ça, bravo, merci madame. Bravo. Des particules de ce que tu viens de faire qui partent, bravo, question pour un champion, qui partent un peu sur tout l'environnement. C'est pas bon. Alors les autres hier soir, Ruquier, tout ça, étaient morts de rire. Donc, c'est tout à fait vrai ce que je dis en plus, c'est complètement vrai. Donc il faut simplement abattre tout ça quand tu tires la chasse. Alors il me dit, Ah bah oui, mais comment tu sais que tout est parti? Bah comment tu sais? Bah tu relèves à ce moment-là, tu relèves et tu regardes et tout est parti, c'est tout. Bon, enfin bref, tu vois, ça a duré 5 minutes là-dessus, et c'était drôle. Mais voilà ce que je dis, en gros. On a également, on va prendre, il y a des jeunes là qui vont commencer à utiliser Facebook, les réseaux sociaux. Comment t'appelles-tu? Vous avez comme ça Jérôme. Un petit peu un... 8 ans, Jérôme, oui. 8 ans et demi, oui. Oui, oui. Oui. Facebook, par exemple, le simple Facebook, fait oui, de liker, de poker... Ouais, de... Bah, oui, bah, tu oui. peux, bien sûr, tu peux oui. pas contrer ça. Oui. Mais bon, si par exemple, dans les nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux, je dis plein de trucs, là, vous verrez tout ce que je dis, parce que c'est un peu compliqué. J'ai regardé un peu, mais ouais. je dis, par exemple, il y a quelque chose qui me fait bondir, qui est insupportable, qui est le summum, pour moi, le summum de la goujaterie. C'est le fait de... Tu as une histoire d'amour avec quelqu'un. C'est beau l'amour, une histoire d'amour, c'est magnifique. Et bien, pour arrêter une histoire d'amour, tu envoies un texto et tu romps par texto. Alors là, ça c'est le top du top. Bonjour le courage, tu vois, c'est le top du top de l'épouvantable pour moi. Les gens qui rompent par texto. Ça t'est arrivé ou pas? Moi, ça m'est jamais arrivé, c'est tout, ou jamais. Mais on est peut-être d'une génération, justement, où les SMS, les textos, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre culture. On prend aujourd'hui les jeunes, ils ont oui, des doigts griffés sur... Non, mais maintenant, oui, moi, j'en ai beaucoup de textos. Voilà. Bah, maintenant, oui. Mais ça ne viendrait pas à l'esprit. Alors, justement, l'écriture phonétique sur texto, qu'en pensez-vous, justement? Je le dis, tout ça. Il y a des choses oui. qui sont bien, des choses qui sont pas bien, mais c'est réservé uniquement pour les smartphones. Évidemment. C'est tout. Mais... Je dis, il faut réhabiliter les lettres aussi parallèlement à ça. Voilà. La correspondance. Il n'y a rien de plus beau que d'écrire. Sais-tu qu'il y a, par exemple, comment tu écris monsieur en deux lettres, en diminué? Oui. Bah, M point. Et non pas MR. Voilà, parce que MR. Mister. Et moi, je le faisais avant. Ouais, non, mais pareil. Je faisais MR. Je l'ai vu, en fait. Mais je suis nul, voilà. Je sais, je sens ah, que voilà, vu, évidemment, je évidemment. Je suis nul. Je faisais MR. Mais MR, c'est le diminutif de Mister. Mister, voilà, Mister, c'est anglais, c'est pas français. C'est pour ça qu'on apprend une multitude de choses dedans. En France, je termine, oui, bien oui. sûr. En France, je termine, c'est M. point. Oui. C'est monsieur. M. point, et non pas MR. Voilà. Non, mais ça, c'est très bien. Également, un large chapitre, une 50aine de pages. Aux coutumes à l'étranger. Oui, bien sûr, ça vachement ouais. bien. Oui, oui, bien sûr. En même temps, oui. ça permet bah, quand je pas fait tous les pays. Non, mais bon, enfin, il y a les pays principaux. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà, comment se comporter à l'étranger. Ouais, en Thaïlande, en Allemagne, en Argentine, un petit peu partout. Bah, tu verras, vous verrez. Franchement, il est tellement riche le livre. C'est 700 pages. Oui. 700 pages. Et j'ai voulu. Là, je pense à Michel Lafon, l'éditeur, que ça soit pas cher. Et pour trouver un 700 pages ici, non mais moins cher que ça, oui. alors là je te fais un défi, tu peux y aller, tu peux commencer à chercher. 20 € pour 700 pages, c'est vrai? Oui, même pas, je crois qu'il a 19,95. 20,95 €. Bah voilà, enfin, donc, ça fait 20 €. C'est imbattable. Voilà. Non, mais c'est imbattable. Donc j'ai demandé et il a accepté qu'on fasse un prix très très peu cher. Oui. Donc c'est vraiment génial. La critique est intéressante oui. parce qu'on, la plupart du temps, on trouve vraiment les pour et les contre. Non, mais en fait, il y a une très bonne critique oui. sur ce livre. Ah bon? Oui. J'ai oui. lu un peu sur, voilà, sur Internet, oui, oui. on y trouve quand même une bonne presse. Oui. Bon, après, on verra chez Ruquier ce soir, mais bon, chez Ruquier, comme vous disiez tout à l'heure, ils sont là pour se marrer. Voilà, mais c'est vrai que sur Internet, on y trouve une très bonne critique. Oui, oui. Ah oui, j'ai Hanouna, oui, c'était drôle, Hanouna. Oui, oui, c'est vrai, Hanouna. Je l'aime bien, Cyril. Mais Ruquier aussi, d'ailleurs. Enfin, toute la bande, dire ça. Mais on s'est amusé, on n'a pas tellement parlé du livre, finalement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non. Je t'ai coupé, mais j'ai un truc à dire après toi, vas-y. Il y a également ce livre, je voulais parler aussi. Les fautes de français, c'était il y a 3 ans. Jamais, oui, oui. Hein, il y a 3 ans. Voilà. Il y en aura un troisième, une idée d'un sujet qui non, pourrait... Écoute, là, pour l'instant, j'arrête un peu. Tu vois, quand tu sors de là, évidemment. Vraiment... Non, je voulais revenir sur les mauvaises manières, ça suffit. Oui. Je consacre 4 ou 5 pages à savoir vivre sur la planète Terre, notre planète oui. nourricière, qui nous nourrit, qui nous héberge. Et il y a une magnifique phrase de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, le patron de l'ONU, à New York, il dit sauvons la planète, respectons la planète, parce qu'on n'a pas de plan B, et on n'a pas de plan B parce qu'on n'a pas de planète B. Donc il faut vraiment sauver la nôtre, tu vois. Et alors là, j'ai 5 pages sur les gestes quotidiens qu'il faudrait que tout le monde fasse dans son foyer, dans sa maison, dans sa famille. Est-ce que vous pensez, par exemple... Moi, je dis qu'il faut manger moins de viande. Oui. Est-ce que tu sais combien de litres d'eau il faut pour produire 1 kilo simplement, 1 kilo de bœuf. Ah, je l'ai lu, c'est énormissime. C'est énorme, voilà. C'est 20 000. 20 000 litres. 20 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Imagine pour tout le bœuf, imagine pour un cheptel, imagine pour le cheptel français et pour tout le cheptel mondial. C'est du délire total. Mangeons, moi j'adore la viande évidemment, mais on peut manger de la viande, je ne dis pas qu'il faille pas en manger, mais mangeons-en pas à tous les repas déjà. Je sais pas, 6, 7 fois, 5, 6 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Et là on l'a choisi, on la prépare, fait de la bonne viande, mais pas tout le temps. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça coûte à la planète, tout ça? C'est vrai. C'est fou. Bah oui, c'est vrai. Les piles. Est-ce qu'on peut, tu vois, réunir les piles et les réserver dans pas, justement, dans une poubelle spéciale? Plutôt un problème de fond plutôt que de forme. On est toujours en train de taper sur le dos des personnes en disant voilà, les piles, il faut faire ceci. Mais pourquoi ne trouve-t-on pas aujourd'hui un moyen chez les fabricants? C'est-à-dire travailler plus en amont qu'en aval. En finalité, on parle du tri aujourd'hui, mais parce que c'est vrai que ces pages sur l'écologie, ça m'a fait penser presque à un programme politique. Oui, parce que c'est marrant, il y avait Nicolas Hulot hier soir. Ah, d'accord. Il me disait, moi, ça c'est magnifique d'avoir pensé pas 5 pages à ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. On rapporte au supermarché les piles usagées, on les dépose dans le réceptacle prévu pour leur collecte avant recyclage. Les appareils en veille, tous les appareils, je suis sûr que je vais chez toi, je suis certain. Maintenant, je vais chez toi, sans que tu aies préparé avant, je trouve plein d'appareils en veille. C'est évident. C'est évident ou pas? Évident. Eh ben, tu vas chez moi, tu viens chez moi aujourd'hui, sans que j'ai préparé quoi que ce soit, tu vas trouver plein d'appareils en veille. C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Et moi, je lutte à la maison, tu dois lutter aussi, pour qu'on essaie de... Ah ben non, c'est pas possible, parce que si, parce que ça... Pour qu'on essaie de débrancher les appareils, qu'il n'y ait pas d'appareils en veille. Parce que c'est pas bon. Laisser nos appareils en veille alourdit considérablement notre consommation en électricité. On éteint les appareils qui sont en veille. On réduit le chauffage la nuit. Pourquoi? Parce que c'est économique et c'est aussi plus sain. Bon. Ensuite, une douche ou un bain? Une douche. Une douche, évidemment. Pourquoi douche? Parce que c'est mieux. Parce que c'est mieux. C'est surtout moins consommateur d'eau. Voilà. Évidemment. Voilà. Bon, bref, tu vois, je fais au moins 3 ou 4 pages comme ça pour essayer de faire en sorte qu'on respecte la planète. Voilà. Alors, on a très peu de temps puisque Julien va reprendre un train pour repartir ce soir. Donc, je sais que vous êtes venus nombreux faire dédicacer le livre. En quelques mots, on en parlait tout à l'heure, Question pour un champion, 27e année. Oui. Je lisais, en 25 ans, c'est 1 million de questions posées. Bon, sans doute, on les compte pas, tu vois. Non, mais c'est à peu près. Mais oui, ça doit être ça. Et je sais pas combien de candidats reçus. 300 000. En 25 ans. Tu te rends compte, c'est énorme. Alors par contre, il y a justement une petite chose sur les candidats. Oui. Vous tapez un peu sur les candidats, certains candidats et les mauvaises manières. Ah ça y est, bon, j'ai eu le malheur de dire une phrase qui était la suivante exactement, je l'ai retrouvée. Le malheur, mais c'est les journalistes, tout de suite on te prend un truc, entre parenthèses, et on t'en fait la première page le lendemain. C'est un peu comme sur les motards. Oui, exactement. Voilà, oui, joli. Le bruit des motards. Joli. Voilà. Est-ce que j'ai pas raison ou j'ai raison ou j'ai tort sur le front? Ah, sur le motard. Oui. Un motard. Moi, j'adore la moto, les motards, tout ça. Je n'ai rien contre eux. Un motard qui déchire une rue à 3 h du matin avec un boucan d'enfer. C'est normal ou c'est pas normal? Évidemment, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, c'est tout ce que j'ai dit. Et quant aux candidats. J'ai rien dit de très spécial, j'ai dit il y en a, mais qui sont à l'image de la société dans laquelle on vit. Nous sommes d'accord, oui. Bon, bah, il y en a qui sont propres, il y en a d'autres qui sont moins propres. Voilà exactement ce que j'ai dit. Est-ce que c'est grave ce que j'ai dit ou pas? Mais absolument pas. Bon, bah, c'est tout, donc on en fait tout un truc, c'est incroyable. Je peux rien dire, je peux pas dire un mot. Vrai. Ah, je ne peux pas dire un mot. Tout de suite, c'est amplifié, déformé. La personne, il a dit ça. Bref, vas-y. Bon, j'allais parler musique, parce que on se souvient évidemment... du plus grand succès de compositeurs. Oui. Hein, j'en ai fait quelques-unes des chansons. Évidemment. Nous sommes en 1988. C'est quoi en 1988? Non, ça c'est 1978, c'est pas grave. Non, ça c'est plus. Oui, je vois. Alors, mais c'est une magnifique chanson que j'ai découvert en fait cette semaine. Alors ça c'est évidemment Herbert Léonard. Ça c'est pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir. Alors tout le monde la connaît, mais la seconde, aussi connue, tout à l'heure je posais un peu la question, je ne savais pas y répondre. C'est laquelle? La seconde c'est... Vas-y, tu peux la mettre. Ah oui, Amour Flou, oui. Et oui, mais en fait, ils la connaissent moins. Mais disque d'or. D'ailleurs, les deux. Disque d'or avec, oui. 2,5 millions pour le plaisir. 3 millions pour le plaisir et Amour Flou aussi, oui, on a fait. Et puis il y avait aussi. Attends, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait une chanson pour Michel Delpech. Oui, qui a bien marché. Un avion, une nuit. Attends. Ah oui, bravo. Voilà. Joli. Ah, j'ai un trou terrible. Un avion, Michel la Delpech, nuit. Non, c'est pas ça. C'est. Ah zut, j'ai oublié le titre. Je vais te le donner tout à l'heure. Mais le titre? Mais plus fort, Michel Delpech, oui. Vue d'avion un soir. Vue d'avion un soir. Ah oui, oui. C'est ça, voilà. Michel Delpech, qui est le pauvre Michel, j'espère qu'il va mieux en ce moment. Paraît-il. J'espère qu'il va mieux, oui. Remets la... ouais. Le sable est blond. D'ici, la mer est bleue. D'ici, on pourrait croire. Alors, retour de vacances. Que les gens sont heureux. La terre est un paradis. Vu d'avion. Oui. Retour de vacances, c'est 78. Oui. Non mais ça c'est une chanson pour moi, j'en ai vendu deux à ma soeur et à mon père qui vient de partir, le pauvre, donc il n'y en a plus qu'un qui est... Alors justement, cette carrière artistique que vous avez pu faire, en tant que, même en tant qu'interprète, parce que moi, ce Retour de vacances, je la trouve plutôt chouette comme chanson, ça vient évidemment de vos parents, votre papa, donc on en parlait tout à l'heure. Alors mon père, oui, mon père, chef d'orchestre, mon père était... Voilà, votre papa qui est... Il était... Ah oui, 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 ah oui, oui, c'est lui, c'est bon. Il était architecte. Oui. Il faut parler de lui à la parfait maintenant, hein, depuis une semaine. Il était architecte, il était chef d'orchestre, il accompagnait Paul Anka à la grande époque de Paul Anka, Georges Ulmer à la grande époque de Georges Ulmer qui était un grand artiste. Pigalle, voilà, Pigalle, bravo. Et un jour, je rencontre Aznavour. Je suis à l'aéroport de Genève et je prends des vols pour Paris. Et je vois un monsieur derrière le Figaro, dans le salon d'attente, et je m'approche et c'était Aznavour. Donc je m'approche de lui et comment allez-vous Charles, hein? Ah bah j'ai bien, comment ça, on a fait tout le voyage ensemble. Et je lui dis, quel est l'artiste qui vous a le plus inspiré dans votre carrière Charles? Il me dit c'est Georges Ulmer. Georges Ulmer, très grand artiste Georges Ulmer. Grand artiste, la façon d'entrer sur scène, de chanter toutes ses chansons, de raconter des histoires aux gens. Elle était splendide, la Pigalle c'est... Voilà, et mon père a accompagné Georges Ulmer pendant 3-4 ans, notamment dans des tournées en Amérique du Sud. J'ai cru lire également Claude Nougaro. Claude, beaucoup plus d'une façon plus épisodique que Paul Anka et Georges Ulmer. D'accord. Donc c'est votre maman chanteuse. Oui. Chanteuse très connue dans les années 50. Oui, Maria Remusa. Oui, voilà, oui, tout à fait. Oui, Maria Remusa. Et voilà, donc c'est atavique tout ça. Ça s'est transmis dans les gènes. Évidemment. Et ça, une envie de reprendre la composition. Mais j'ai jamais arrêté de reprendre. Oui. J'ai jamais arrêté. Simplement, on parle moins de. Ah, mais voilà. J'ai pas trop le temps de tout faire. Tu vois, je suis là aujourd'hui. Le bouquin, les émissions à enregistrer, je te jure que j'arrête pas. Hein. Et alors, question pour un champion, pas d'envie d'arrêter, parce que j'ai lu encore ces questions de journalistes et les déformations de certains journalistes. Vous avez dit que France 3, vous souhaitiez du courage à France 3 de trouver votre successeur. J'ai pas dit ça. Si, c'est ce que j'ai lu. En plus, c'est Morandini en plus que. Oh non, mais au secours. À Europe 1. Morandini, au secours. Ouais. Non. Il y a pas de. Non. Alors là, tu l'as directement, tu m'as là directement. Voilà, c'est encore mieux. En face à face. Voilà. N'écoute pas ce que dit X, Y ou Z, qui répète ce que l'autre a répété, qui répète. Écoute, arrête, tu m'as en face. Pose-moi la question. Qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Envie de continuer. Mais j'ai jamais eu envie d'arrêter. Parfait. Mais justement, alors laisse faire tout ce que les gens disent. 26 ans d'émission. N'importe quoi. 26 ans d'émission. Est-ce qu'on rentre le matin quand on va au travail? On est très content d'y aller. Oui. C'est pourquoi? Parce que j'ai l'impression de faire des émissions nouvelles à chaque fois. C'est-à-dire que les candidats sont nouveaux. Ils sont toujours nouveaux. Et la plupart du temps, à moins que je fasse des... C'est les best-of, enfin je sais plus comment on appelle ça, des masters. Mais donc ils sont nouveaux, les questions sont nouvelles, les émotions sont nouvelles, ils sont 4, 3, 2, 1, tu sais jamais celui ou celle qui va partir, qui va gagner, et que ceux qui vont partir en premier en plus. Donc non, j'ai l'impression de faire des émissions nouvelles à chaque fois. Donc je suis content d'aller travailler, c'est même pas un travail, écoute. Pense à ceux qui sont dans les usines, qui se lèvent très tôt le matin. Et là, même si c'est très fatigant, ce que je fais, t'es debout tout le temps, et il me faut 3 jours pour me remettre des émissions que je fais. Moi, 3 jours. J'enregistre en 4 jours, à peu près. 4. La dernière fois, j'ai fait 6 jours. 6 jours d'enregistrement. Je fais 6 émissions par jour d'enregistrement. Donc une semaine en un jour. Je fais 6 x 6, ça fait combien 6 x 6, ça fait 36. 6 x 6, 36 émissions. Je te garantis que quand tu as terminé à la 33e, à la 34e, 35e, 36e, t'es vraiment t'es fatigué, quoi, très fatigué. Il faut 3 jours pour m'en remettre, sûr. À peu près 3 jours. J'ai mal partout, j'ai mal au maxillaire, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux fesses, aux cuisses, partout. Je rêve de massages quelquefois. Des bons massages. Simplement, j'ai une petite faveur à vous demander. Oui, oui. Et je suis certain d'ailleurs que ça va leur faire plaisir. Que vous faites la conclusion de l'émission. Sur quelle caméra tu veux? Sur celle-ci. Je sens à la façon Question pour un champion. Mais bien sûr. Ah oui, oui. Je vous laisse. Ah oui. Bon, bah alors à bientôt. Alors on se serre la main. Voilà. Bon, merci infiniment. Merci bientôt. Et alors à demain. À demain pour Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain. www.drômeardèche.tv